Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, qui êtes venus célébrer ensemble la résurrection du Christ. Bienvenue à vous qui nous retrouvez à la télévision KTO Télévision ou sur Radio Notre-Dame. Nous sommes en communion avec tous les chrétiens qui aujourd'hui célèbrent la résurrection du Christ et particulièrement avec ceux qui, au Canada, pour quelques jours, accueillent le Saint-Père pour cet important voyage pénitentiel que le pape François a souhaité effectuer. Ensemble, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur.
Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara : Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit : J'ose encore parler à mon Seigneur. Moi qui suis poussière et cendre, peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? Il déclara : Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista : Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara : Pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit : Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara : Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors : J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara : Pour 20, je ne détruirai pas. Il dit : Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara : Pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains,
car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Si nous prenons la prière d'Abraham pour ce qu'elle est, non pas seulement une histoire ancienne, mais la réalité de l'action de Dieu face à notre prière, alors oui, d'emblée, nous pouvons de notre cœur faire monter ce psaume que nous avons entendu tout à l'heure. « Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu la parole de ma bouche. Je te chante en présence des anges, je me prosterne vers ton temple sacré. » Oui, il y a matière à rendre grâce, car sur les milliers probablement d'habitants de la ville de Sodome, s'il n'y avait que 10 justes suffisaient à toucher le cœur de Dieu. Nous croyons en un Dieu miséricordieux. La miséricorde signifie que le cœur se laisse toucher par la misère qui est celle de l'autre. Et si la vie misérable de toute une ville, à l'exception de 10, touche le cœur de Dieu, c'est vraiment pour nous un motif d'action de grâce. Nous avons entendu la parole d'Abraham, la prière d'Abraham qui, au départ, espère que ses justes soient 50 et puis qui, peu sûr de lui, réaliste face à la condition humaine, descend sans aller jusqu'à zéro. Car il sait bien qu'il faut un peu de justice pour que la miséricorde de Dieu s'exerce. Ces 10 justes vont suffire à ce que la miséricorde de Dieu s'exerce. Mais nous ne pouvons pas en rester là et je vous invite à actualiser cette prière d'Abraham en réalisant à quel point, quand la sainteté est présente dans une communauté, elle peut faire tache d'huile. Et nous pouvons lire ce texte à l'envers pour considérer que quand les justes sont 10, c'est pour devenir 20, puis devenir 30, puis devenir 40 et contaminer par la sainteté, tous ceux qui sont autour d'eux. Cette prière d'Abraham et la miséricorde de Dieu qui s'exerce sont réconfortantes, sont consolantes pour notre monde aujourd'hui, dès lors que dans telle ou telle communauté humaine subsistent quelques personnes, le petit reste, comme dit l'Écriture, qui veut faire la volonté du Seigneur. Mais ce qui est vrai collectivement est profondément vrai aussi, et je suis sûr qu'il est facile pour chacune et chacun d'entre nous de nous y retrouver individuellement. Quand nous faisons le constat de ce qu'est notre vie, peut-être qu'à l'instar d'Abraham, nous avons envie de dire au Seigneur, mais dans toute ma vie, Seigneur, avec ce poids de péché, ce poids de souffrance, ce poids de misère,
s'il y a seulement cette petite parcelle qui est belle, je t'en supplie, Seigneur, attache-toi à cette petite parcelle. Nous le demandons d'ailleurs dans la liturgie. Nous demandons au Seigneur de regarder ce qui est bon dans notre vie et de ne pas s'attacher à notre péché. Ce qui est vrai collectivement est aussi vrai individuellement, et à mesure que nous prenons conscience de la petite parcelle de sainteté qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous, que Dieu a donnée à notre baptême, nous pouvons nous aussi individuellement demander à Dieu de nous aider à ce que cette parcelle grossisse, fasse en quelque sorte tache d'huile pour que notre vie de sainteté grandisse. Car aux yeux de Dieu, rien dans notre vie n'est jamais irrémédiable. Et pourquoi ? C'est saint Paul qui nous le dit. Parce que le billet de notre dette a été annulé par la mort de Jésus. Ce billet de notre dette a été cloué sur la croix. Aussi, cette prière d'Abraham, elle est une prière que nous pouvons faire nôtre individuellement pour que chaque jour, ce qu'il y a de saint dans notre vie augmente par la prière, par la fréquentation de l'Écriture, par la fréquentation des sacrements, et particulièrement du sacrement du pardon et du sacrement de l'Eucharistie. Ces textes que nous venons d'entendre sont en premier lieu un immense espoir sur la condition humaine, quand bien même elle nous paraîtrait si obscure et si grise, voire triste. Mais nous l'avons bien compris, ces textes que nous venons d'entendre sont aussi un encouragement très fort que nous donne l'Écriture à la prière. Cette prière d'Abraham, elle est audacieuse. Comme me disait un jour un jeune d'une aumônerie, je m'en souviens, il est quand même un peu gonflé de marchander comme ça avec Dieu. Oui, il marchande, parce qu'il sait que Dieu nous aime et que Dieu peut descendre de 40, de 50 à 40, de 40 à 30 et descendre ainsi jusqu'à 10 pour s'attacher à la toute petite parcelle qui peut permettre de sauver. Ce texte, à l'instar d'Abraham, est une invitation pour nous à prier sans relâche, à prier de manière audacieuse, à prier de manière ambitieuse, en fondant notre prière sur la certitude que Dieu est miséricordieux, et que jamais il ne renoncera à faire le bien, jamais il ne désespérera de notre condition. Dans l'Évangile, le Seigneur insiste sur cette prière, en nous donnant d'abord, nous avons bien reconnu ce texte, cette prière du Notre Père, demandée par ses disciples, qui lui demande de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste a appris lui aussi à prier à ses disciples. En deuxième lieu, après la prière d'Abraham, ce début de l'Évangile est sans doute, comme à chaque fois que nous rencontrons cette page dans la liturgie, une invitation à revisiter la prière du Notre Père. Nous la disons, la prière du Notre Père. Nous la disons à toutes les messes. Ceux qui disent la liturgie des heures la disent le matin, la disent le soir. Nous la disons quand nous prions le chapelet. Au début de chacune des dizaines, nous la disons souvent. Et peut-être que parfois, nous la rabâchons. Retrouvez dans ce texte le cadeau que le Seigneur fait à ses disciples quand il lui demande de leur apprendre à prier. C'est retrouver le poids de chaque mot, la justesse de chaque mot, la condition de Dieu magnifiée par le début de la prière, la demande que nous sommes amenés à faire pour chacune de nos vies, l'entièreté de la réalité humaine qui est appréhendée, qui est embrassée par cette prière. Que la joie que nous avons à croiser cette page d'Évangile ce soir nous permette de revisiter cette prière, et en particulier tout à l'heure, quand nous la dirons tous ensemble, de la dire en faisant attention à chacune de ces paroles. Et puis, si les textes que nous venons d'entendre sont un appel à une prière audacieuse, à une prière sans relâche, à une prière ambitieuse, à une prière fondée sur la miséricorde, nous devons faire attention aux paroles de Jésus, qui nous dit trois choses à propos de la prière, et qui emploie trois verbes qui chacun ont leur importance. Demander, chercher, frapper. Demander parce que nous savons bien que nous sommes dépendants de l'amour de Dieu et que sans cesse nous en avons besoin, mais demander en cherchant.
demander en essayant de discerner la volonté de Dieu plutôt que d'accorder sa volonté à la nôtre, comme nous avons parfois tendance à le faire dans notre prière. « Seigneur, fais que ceci ou fais que cela, et je t'en prie, obtiens-moi ceci ou obtiens-moi cela. » Cherchez. Cherchez ce qui est bon pour moi, qui peut-être n'est pas ce qui m'apparaît au prime abord, mais qui est toujours ce que Dieu fera, parce que sa volonté est l'expression de son amour. Demandez, cherchez, et aussi frappez. Frappez à la porte de Dieu, c'est-à-dire se mettre en mouvement pour aller jusqu'à lui, et le laisser à son tour, comme il nous le dit dans l'Écriture, frapper à la porte de notre cœur, pour qu'en ayant cherché, en ayant demandé, nous soyons enfin disposés à le laisser entrer en nous pour transformer nos vies. Le Seigneur nous attend sur ce lieu de la prière. La prière, cette intimité avec Dieu, ce cœur à cœur, cette prière qui doit être autant écoute que demande, qui doit être quête, cherchée. Cette prière, elle est la manifestation la plus belle que nous puissions faire à Dieu de notre amour pour lui, que nous puissions faire à Dieu de notre amitié pour lui, du désir d'entretenir une relation avec lui. Être chrétien, croire en un Dieu qui s'est fait homme, ce n'est pas croire simplement à celui qui a tout créé, qui est très lointain, au premier moteur, comme disait Aristote, c'est croire en quelqu'un qui m'aime personnellement, qui connaît ma vie, qui connaît mes joies, qui connaît mes souffrances, et qui veut venir à ma rencontre parce qu'il s'est incarné, il est mort et ressuscité pour me sauver. C'est-à-dire toi plus toi plus toi, et ainsi toute l'humanité dans toute l'histoire des hommes. Que le Seigneur nous aide à le rencontrer dans cette prière, à ne jamais désespérer de lui demander, à ne jamais désespérer de le chercher, à ne jamais désespérer de frapper à sa porte. Amen. Credo in unum Deum, Jesu Christus, Filium Dei unigenitum.
Oh.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction
Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. » qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche et une bonne semaine. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Nous chantons la Vierge Marie. Salve Regina.